Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer le résultat d'une augmentation ou d'une réduction sous forme de pourcentage, d'un prix par exemple, en un seul calcul plutôt que d'en faire deux comme vous avez déjà appris à le faire en sixième par exemple. L'exemple ici, c'est un pull qui coûte initialement 70 euros et qui est soldé à 30%. Donc, il va coûter moins cher de 30%. On vous demande quel est son nouveau prix. Eh bien, si vous le faites de façon naïve, comme en sixième, vous allez calculer 30% de 70 euros, c'est-à-dire 30 sur 100 fois 70 euros. Donc, 0,3 fois 70 euros, c'est-à-dire 21 euros. Et puis, vous allez faire dans un second calcul, il faut écrire ici, bien sûr, hein, le montant de la réduction et de 21 euros. Et ensuite, vous devez faire un autre calcul, puisque vous devez prendre 70 euros, enlever les 21 euros, ce qui vous donne, si mes calculs sont bons, 49 euros. Et donc, vous devez dire le prix soldé est de 49 euros. Alors, bien sûr, tout ça, c'est faisable. Moi, je l'ai fait rapidement, mais vous, vous le faites du coup en deux lignes. Et ce qui est au programme pour vous, eh ben, c'est de savoir faire ça, mais de façon directe, en faisant un seul calcul. Alors, remarquons bien ce que nous avons fait. Ici, pour vous montrer la méthode hein, qu'on appliquera ensuite en bas pour l'augmentation, ici, on part de 70 euros, on enlève 21 euros. Si je réécris cette ligne-là, avec ce que je sais ici, 21 euros, c'est 30% de 70 euros. C'est-à-dire ici, je vais écrire 70 euros moins 30 sur 100 fois 70 euros. Alors, si vous regardez bien ici, quand je fais ça, 21 euros, c'est bien 30 sur 100, je l'ai écrit ici, fois 70 euros. Donc, j'ai bien remplacé 21 par ce que je voulais. C'est bien le même calcul. Eh bien, voilà, faisons maintenant apparaître quelque chose d'important. 1 fois en rouge 70 euros et moins 30 sur 100 fois 70 euros. Eh bien, j'ai fait apparaître en rouge ce qu'on peut appeler un facteur commun. Et donc, je vais pouvoir factoriser par 70 euros le calcul qui est là. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 70 euros, facteur de 1, moins 30 sur 100. Et 1 moins 30 sur 100, c'est quoi? Ben, c'est 1 moins 30%. Et ça, ça donne quoi? Ça donne 70 euros fois ben, 0,7. Et donc, en fait, trouver le montant du pull, c'est déterminer 70 fois 0,7, ça fait 49 euros. Et bien en fait, voilà ce qui était au programme de mathématiques en troisième, c'est de savoir que réduire de 30%, c'est multiplier le prix par 0,7, c'est-à-dire 1 moins 30 sur 100. Et ça, ça marche aussi avec l'augmentation. Si on avait augmenté de 30%, et bien on aurait multiplié le prix initial par 1 plus 30 sur 100. On va d'ailleurs le faire ici directement. J'ai un paquet de beurre initialement à 4 euros qui augmente de 11% puisque l'inflation est de 11%. Quel est le nouveau prix? Eh bien ici, au lieu de refaire en deux calculs ce qu'on a fait précédemment, je vais le faire directement. Mon nouveau prix, c'est 4 euros fois 1 plus 11%. Voilà. Mais 11%, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est 4 euros fois 1 plus 0,11, c'est-à-dire 4 euros fois 1,11. Et 4 euros fois 1,11, je le fais à la calculatrice pour ne pas me tromper, 4 euros fois 1,11, c'est 4,44, évidemment, puisqu'on a des 1 de partout. C'est 4,44 €. Eh bien, mon beurre, avec une hausse de 11% de son prix,
revient à 4,44 € après une inflation de 11%. Et on a réussi à trouver ce nouveau prix, le nouveau prix du beurre. Alors, il faut bien écrire avec une phrase réponse. Hein. Le nouveau prix du beurre est de 4,44 €. Et bien voilà, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on sait maintenant déterminer le résultat d'une augmentation ou d'une réduction en une seule ligne en se disant, ben, je multiplie, j'ai une base de 1 qui est le prix initial, je lui ajoute en centième le pourcentage d'augmentation ou je lui enlève à ce 1 initial le pourcentage de réduction, ce qui va me donner un nombre à virgule, hein, un nombre décimal, qui va multiplier le prix initial et qui va me donner directement le prix final. Eh bien, c'est ça qu'on doit savoir. Hein. Augmenter, le théorème, en fait, il est ici, donc on a plus ou moins démontré maintenant. Augmenter ou réduire de T%, où on a le pourcentage, c'est multiplier par 1 plus T sur 100 ou 1 moins T sur 100 pour la réduction. Et bien voilà ce qu'il faut savoir dans cette notion.